Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde. On n'est ni à Lyon ni à Paris cette fois-ci, on est à Avignon. Alors Avignon, du bol d'ailleurs, il fait beau. Je me rappelle d'une année où il neigeait, ben là il ne neige pas, il fait super beau. Donc, puis c'est pas très grave parce qu'on est à l'intérieur, donc, de toute façon même s'il faisait pas beau, ça n'aurait pas d'importance. Et puis, dans le cadre des métiers du cheval, on rencontre des gens. Là, cette fois-ci, cette année, on n'a pas de stand. D'habitude, on a un espace dédié et là, pour des raisons XY, on ne l'a pas. Donc, je peux me promener et là, actuellement, vous ne le voyez pas, mais on est dans le salon VIP. Et ce salon VIP, c'est bien parce qu'il y a un fond noir, donc noir et blanc, et donc ça, c'était plus sympa que là où on était d'habitude. Je vais rencontrer quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Alors je dis très parce que c'est vraiment très. Et il était tout petit, il vient de me rappeler d'ailleurs, et puis après tout de suite je vous présente à lui. Il me rappelait qu'on s'était rencontré à l'époque sur le salon le salon agricole d'Aquitaine, et il était stagiaire, il était petit, hein, il était stagiaire à Bazas. Alors vous voyez, ça vous dit rien Bazas, mais pour ceux de la région qui vont regarder, ça leur dit. Voilà. Donc, Gilles Devrin, bonjour. Bonjour, monsieur Decaiser. Waouh, quelle civilité. La chance, c'est que je te rencontre ce matin. Et puis, ça m'a donné l'idée parce que je suis en train de terminer un livre qui traite du tourisme équestre. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais enfin, De Vavrin, c'est un truc, quoi. C'est un nom. C'est pas un nom qu'on connaît pas dans le tourisme équestre. Donc, et la randonnée à cheval. Donc, du coup, voilà, on va parler avec lui. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui s'est mis à faire du tourisme équestre dans les années 80 en créant son centre de tourisme équestre à Cadolive, dans les Bouches-du-Rhône, à l'époque où le tourisme équestre était quand même très peu développé. Ça existait déjà, bien sûr, mais de manière assez archaïque, puisqu'à l'époque, on parlait soit de ranch, soit de centre équestre, les fameux bombistes. Mais il n'y avait rien entre les deux. Et c'est vrai que la structure tourisme équestre était mal ficelée, finalement. Donc j'ai grandi comme ça, j'ai grandi en randonnant. Ça m'a plu. La chance que j'ai eue, c'est que ça m'a plu. C'est ce que mon père a cherché à me transmettre, m'a plu. Donc très vite, j'ai voulu en faire mon métier. J'ai voulu en faire plus qu'un métier, mais en faire une vie. Après, comme on est en France, il faut passer des diplômes, parce que sinon on n'a pas le droit de travailler. Donc très vite, j'ai passé mon accompagnateur de tourisme équestre pour pouvoir amener des gens en randonnée. Mais j'avais 18 ans à l'époque. Et puis c'est vrai que l'accompagnateur, ça ne suffisait pas pour vivre toute l'année, pour faire un vrai métier. Donc très vite, je me suis orienté pour passer mon BE. Donc à 20 ans, j'ai passé mon brevet d'État pour pouvoir enseigner. Mais bien sûr, c'était le BE option tourisme équestre, parce que je ne voulais pas quitter mes racines. Donc j'ai passé l'option tourisme équestre, enfin le BE avec option de tourisme équestre, qui correspondait à l'époque au niveau du guide de tourisme équestre. Ce qui m'a permis de partir de 20 ans, de pouvoir vraiment travailler, de travailler avec mes parents, qui avaient le centre équestre, qui était toujours en place, qui s'appelait toujours la Provence à cheval, hein, et pouvoir travailler avec mon père, avec ma mère, et pouvoir emmener mes gens en randonnée, pouvoir faire découvrir la Provence. Donc, ce n'est pas un métier des plus faciles, ce n'est pas une activité toujours évidente à tenir. Donc c'est vrai qu'une partie de l'année était consacrée plutôt à l'enseignement, où j'enseignais à des élèves comme n'importe quel club en fait, d'où l'avantage d'avoir les doubles casquettes, être BE et guide aussi, être capable d'amener des gens en promenade, mais aussi capable d'enseigner. Participer aussi à des formations. Une partie de l'année, je faisais des formations d'accompagnateurs. Enfin, c'est vrai qu'il faut être un petit peu multicarte pour arriver à faire ce métier. Et c'est vrai que maintenant, ça fait 30 ans que j'arrive à faire ce métier de guide et d'enseignant. Même si je ne suis plus à Cadolive, la vie faisant, j'ai quitté la Provence à cheval. La Provence à cheval continue toujours, elle existe toujours avec mon frère qui continue à faire la même chose, c'est-à-dire l'enseignement et guider des randonnées aussi au sein à Cadolive. Et moi, j'ai immigré à Jouques, qui se trouve entre Aix-en-Provence et Manosque,
où j'ai recréé une activité pareil, centre équestre et toujours tourisme équestre. Peut-être ce que tu pourrais nous dire, c'est l'idée que tu as d'abord de l'évolution, une partie sur l'évolution du tourisme équestre, ton avis, et deuxièmement, qu'est-ce que ça va devenir d'après toi ? Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution certaine. La métier s'est vraiment professionnalisé. Ce n'est plus affaire à des amateurs comme on a pu voir dans les années 70-80, des gens qui étaient vraiment des passionnés, mais qui manquaient de moyens techniques ou qui avaient juste des idées. Juste pour anecdote, moi je me rappelle mes premières randonnées, c'était pas rare que le soir on passe à table, il était 1h du matin. Mais parce que la journée était mal organisée. Maintenant, si vous dépassez 20 heures pour manger, on vous fait un procès. Et ça, c'est vrai que ça a énormément évolué dans le bon sens. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand même, beaucoup de professionnels qui font bien leur travail, qui font bien leur travail et que les gens sont contents de leur prestation et de ce qu'ils font. Ça ne coûte pas plus cher de faire une randonnée au fin fond du Maroc ou au fin fond de l'Asie que faire une randonnée dans les Alpes. C'est le même prix, les billets d'avion ça coûte 30 euros. Donc c'est vrai qu'on a une grosse concurrence du tourisme équestre étranger, qu'on le veuille ou non. Quand tu dis que tu vends la France, on passe un peu à côté, alors que la France reste un très joli pays, on le sait, ou qui font tout simplement de la randonnée pédestre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul à utiliser les bois, on n'est pas tout seul à utiliser la montagne. On est quelques-uns à partager ces secteurs nature. J'ai vu une évolution dans des années. J'ai vu des évolutions pas forcément dans le mauvais sens. Il s'est passé beaucoup de bonnes choses. Mais c'est vrai que quelle évolution ça va continuer à prendre, j'avoue que j'ai un peu du mal à me projeter de toute façon. Parce que je suis pas... Oui, enfin, est-ce qu'on peut manger avec, payer sa voiture? Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'exister, de vivre financièrement? Il faut avoir les bons bagages au début. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui je devenais BP, aujourd'hui, je m'en sortirais pas. Si aujourd'hui je m'en sors, c'est parce que j'ai passé un BE, j'ai passé un guide, j'ai suivi des stages, j'ai suivi des professionnels pendant des années. Et ce qui fait que maintenant je peux faire face à plein de situations qui font que je m'en sors. Qui a bourlingué toute sa vie, enfin qui a fait des randonnées, qui a rencontré les gens qu'il fallait, qu'on a aidé un petit peu et qu'on a un petit peu expliqué 2-3 bricoles en plus des diplômes. Pourquoi pas? Parce qu'après, on arrive à vivre de ce métier-là aujourd'hui. On peut vivre en tant que guide, à condition de choisir le bon territoire, de choisir une bonne organisation, d'être un petit peu malin, d'avoir un petit peu un cerveau qui fonctionne à l'endroit. On peut très bien. Gilles, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Ce n'était pas du tout prévu. Donc, c'est vrai. Je vous dis à plus tard, puisqu'on va continuer notre petite route à Avignon. Salut les amis!